Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous on a dormi très tard, je me suis réveillée très tard, toujours pas coiffée, mais bon, on s'en fout, hein. Je vais préparer le manger, enfin on va dire que c'est plus un apéro en fait, avec ma soeur et mon neveu qui sont juste ici. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que je prépare. Alors vu qu'on est nombreux, je fais quand même pas mal de trucs. Là j'ai fait des champignons farcis, donc c'est de la viande de bœuf que j'ai épicée, assaisonnée, et un peu de beurre par-dessus. Là c'est le reste de champignons et puis je prépare aussi des petits toasts grillés à l'ail et je vais encore préparer plusieurs petits trucs. Hello. Hello. Alors, il y a encore des trucs qui cuisent au four, sinon on en est là pour l'apéro. Je vais allumer la lumière et vous montrer ça. C'est un apéro repas. Hein. Voilà, donc ça c'est le gâteau d'anniversaire de mon doudou qu'on a mis là pour manger. J'ai fait des champignons farcis, donc comme vous avez vu, à la viande hachée et au beurre. Ici, des amuse-gueules, pain d'épices, foie gras et confiture de myrtille. J'ai fait des toasts au beurre à l'ail maison et certains avec de la viande, au foie gras et du fromage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est quelle heure? Il doit être 5h20, à tout casser. Et je suis en train de préparer à manger. J'ai fait un gâteau, enfin j'ai testé une nouvelle recette de gâteau au chocolat pour moi et Doudou. Surtout pour Doudou, puisque lui, il adore le chocolat. Là, je vais faire le repas, donc j'avais vraiment pas beaucoup d'idées. Mais je vais faire un truc assez rapide et simple. Je suis désolée, je regarde pas parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors au magasin j'ai été acheter un chou blanc que je vais faire cuire à la poêle avec des saucisses cabane aussi en fait que je suis en train de faire dégeler. Voilà, donc je vais remettre ça à dégeler et ensuite au four je vous montre, il y a mon gâteau au chocolat, je vous montrerai de toute façon une fois que je l'ai sorti. Alors voilà, j'ai fait revenir les oignons dans un petit peu de beurre, enfin du beurre, c'est toujours ma margarine Rama. J'ai mis les saucisses, je vais laisser cuire ça, je vais un peu baisser le feu. Voilà, le moelleux est prêt pour mon doudou, donc je vais attendre qu'il rentre, il est 6h20, voilà, donc là il a quand même pas mal refroidi. Et je vais le mettre de côté, il goûtera ça ce soir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En fait je suis malade depuis hier, en fait j'ai comme un rhume, quelque chose comme ça. C'est un peu chiant, mais bon, je préfère avoir un rhume qu'une grippe, parce que moi quand j'ai une grippe en général ça ne me réussit pas. Il est presque 5h du soir, je commence encore un vlog tard parce que je n'ai rien à vloguer en fait, donc quand je n'ai rien à vloguer, je ne vlogue pas. Doudou, il est au travail comme toujours et puis demain il ne travaille pas. Ce soir, on va voir qu'est-ce qu'on va manger. J'ai une petite idée parce que je sais qu'il veut des tagliatelles aux fruits de mer. Mais on verra parce qu'il y a encore d'autres choses à manger, donc je vais voir selon ce que lui il veut. J'ai commencé une nouvelle série. Franchement, j'accroche, elle est super. C'est la série Mistress ou Maestress, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est avec Alyssa Milano et franchement pour le moment j'adore la série, elle est super bien, elle est super cool. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait de ma journée, j'ai un petit peu nettoyé et ensuite j'ai regardé une série. Et voilà, sinon pas de grand chose, hein, rien de nouveau de mon côté. Il fait tout gris, tout moche, il pleut, ça fait plus d'une semaine qu'il pleut, mais aujourd'hui franchement on dirait qu'il fait soir. Depuis ce matin on aurait dit qu'il faisait soir quoi. Voilà, donc sinon je pense que je vais faire une bâtée de linge et puis voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais regarder encore ma série. Hello, mi amor. Hello. En fait, là, on est au Colruyt et on a fait 2-3 achats, pas grand-chose. Hein. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en Allemagne, on devrait y aller normalement, mais j'ai un rendez-vous important bientôt et Doudou, il n'a pas de vacances, enfin de jours de congé pour le samedi. Donc on va y aller, je crois que c'est la semaine prochaine. Du coup, voilà, on a acheté ça. Et là, Doudou, il est en train de regarder une bière brune parce qu'on va faire, je vais faire une carbonade maison. Oui, moi aussi je préfère en canette parce que les verres là... Ouais, c'est un peu chiant quoi. Oui, c'est chiant. On va se voler la face. On choisit la facilité. Il faut celle-là, c'est ça? Il en faut une ou... J'en ai pris deux. Ça va, vas-y. Normalement, ça devrait être assez. Ok. Voilà, bah du coup, non, on va prendre celle-là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis malade, ça se voit peut-être pas.
Mais ça fait 4-5 jours que je traîne un truc vraiment super chiant. En fait, ça a commencé comme un rhume, sauf que c'est pas un rhume. Et maintenant, ça commence un peu à être comme une grippe, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai pas non plus spécialement beaucoup filmé pour ça. Et aussi parce que, comme je vous ai déjà dit, je veux pas faire de vidéo. Enfin, on veut pas faire de vidéo juste pour faire des vidéos, quoi. Parce que souvent, vous me demandez si ça va, parce que j'ai pas fait de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, franchement, si je le pouvais. Et je peux faire une vidéo tous les jours, mais je sais que ça vous emmerderait parce que j'aurais rien à raconter. J'ai pas envie de prendre ma caméra juste pour dire hello tout le monde, voilà, j'ai bu un café, j'ai mangé deux tartines. Et puis ben tout à l'heure, hello tout le monde, ben voilà, en fait j'ai un peu traîné sur internet. Et puis voilà, donc, franchement, j'ai pas envie de vlogger des trucs qui sont pas intéressants pour vous, et je pense que vous le comprenez. Des fois il y a des vlogs tous les deux jours, des fois des vlogs tous les trois jours, etc. Bon voilà, j'essaie de faire mon possible aussi. Là il va bientôt y avoir plus de vlogs. Et on va faire nos courses en Allemagne la semaine prochaine. Je l'ai d'ailleurs noté sur le calendrier. Donc on part le vendredi 15 au soir chez mes beaux-parents. Et on va faire les courses le 16 samedi en Allemagne. Donc voilà, ça sera un vlog. Et voilà, et puis la semaine d'après, je crois, Dodo il a congé 3 jours. Donc voilà, on va en profiter, on va filmer, on filme dès qu'on peut. Mais il travaille aussi beaucoup et quand il rentre, ben, il prend sa douche, on mange, il est tard. Et voilà, on ne pense pas spécialement à vlogger non plus. Donc là je suis à la maison, je suis en train de faire mon nettoyage et je me sens vraiment pas bien, mais j'ai pris des dafalgans. Papy de visite chez nous aujourd'hui, d'ailleurs il m'a offert mon cadeau de Noël. Je vais vous montrer ça. Faites pas attention au bordel derrière parce que je suis en train de nettoyer comme je vous ai dit. En fait il m'a offert un coffret Nuxe, un coffret comme ça. Et en fait il y a l'huile de douche, donc je suis super contente. J'ai hâte de la tester franchement parce que j'adore cette odeur. Et le parfum, ils sont juste trop bons, je l'avais déjà senti en échantillon. Et voilà, c'est celui-là en fait, c'est prodigieux le parfum et je l'adore personnellement. Et je vous montrerai ensuite ce qu'il m'a offert. Donc il m'a tout ramené comme ça dans un petit carton, les médicaments, ça c'est pour Doudou parce qu'il a mal, il a des maux de tête, donc c'est pour lui. Il m'a ramené des boîtes comme ça en fait de crème pour le visage. Il m'a ramené ici, c'est émulsion hydroactif pour le visage. Une bougie Nuxe qui sont comme le parfum, elles sont super bonnes, je vais l'allumer d'ailleurs. Il m'a amener ceci, c'est de la marque Corès et en fait c'est mandarin lip butter, mandarine je présume, voilà. Et ben, le reste c'est des médicaments, voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est journée vlog, même si je me sens pas super bien, ben voilà, ça va pas me tuer encore plus ou me rendre encore plus malade de faire un vlog. Dans la semaine j'ai fait une galette des rois et elle a fait franchement fureur, elle a été mangée mais à une vitesse. Mes parents ont adoré, pourtant eux c'est rare qu'ils aiment ça. Et mon père disait que c'était bien mieux qu'au magasin il y a la pâtisserie. Pourtant je suis pas une spécialiste dans la pâtisserie, mais bon. Doudou il a adoré et papy aussi il a aimé, il n'y en a plus du tout. D'ailleurs faut que je lave le... Oh, je sais jamais comment ça s'appelle en fait. C'est là où on pose le gâteau en fait avec un genre de cloche dessus. Voilà, il est sale donc il faut que je le lave. Et il n'y en a plus du coup, papy il a mangé la dernière part tout à l'heure. Si jamais vous voulez la recette, ben, le jour où je la referai, je vous la filmerai. Ce soir je fais des carbonades flamandes. J'ai jamais fait cette recette. D'habitude je fais des recettes, enfin je fais la recette de ma mère. Donc c'est des carbonades au vin rouge. Mais là je vais faire carbonades flamandes quoi. Donc ça sera avec normalement du pain d'épices et tout. Je vais regarder une recette sur internet et je vous filmerai ça si vous voulez. Là je vais continuer mon nettoyage, je vous reprends tout à l'heure et je vous fais des gros bisous. Alors là je vais préparer mes carbonades flamandes, donc je ne les ai jamais fait, on va voir. Et là il y a papy qui est en train de me lire la recette qu'on a prise sur internet. Bonjour. Bonjour, papi. Bonjour. Voilà, donc il faut mettre du beurre apparemment et puis faire suer les oignons, c'est ça? C'est cela. Alors je suis en train de faire revenir mes oignons, il faut les faire suer apparemment. Donc j'ai mis du beurre et puis je vais attendre que les oignons ont sué et puis je vais ajouter le reste. Alors voilà, j'ai fait suer mes oignons mais j'ai pas fini, ils doivent encore suer. Là j'ai juste rajouté en fait du laurier et du thym et après je vais ajouter un cube comme ça. Alors voilà, les oignons sont prêts. Maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai laissé les feuilles de laurier dedans et je vais ajouter donc la viande que j'ai découpée tout à l'heure en morceaux et je vais ajouter quand même un peu de beurre parce que sinon ça va vraiment trop brûler, pas cuire. Et voilà, la viande est en train de revenir. Donc apparemment il faut mettre au feu max et laisser cuire comme ça et attendre que la viande se vide de son jus, si je peux dire ça comme ça. En fait la viande va cracher de l'eau et une fois que c'est fait il faut que je regarde la suite de la recette. Alors voilà, la viande est prête, donc je l'ai mise dans un bol, je l'ai réservée de côté et il faut ajouter normalement 2 cuillères de cassonade, donc je vais en ajouter une et il faut augmenter donc le gaz, enfin le feu, et laisser bien fondre le sucre. Alors voilà, j'ai ajouté les oignons que j'avais mis de côté. Maintenant je vais ajouter la viande.
Voilà, papy il filme pour moi. Donc maintenant je vais ajouter la bière. Donc je vais ajouter 2 canettes parce que normalement il faut 1 litre. Donc je vais ajouter 2 comme ça. Ça mousse. Bon, je l'ai goûté cette recette chez mon beau-père. Donc j'espère que je vais la faire aussi bien que lui, qu'elle sera aussi bonne. Et j'ajoute ensuite la deuxième canette. Et normalement, la prochaine étape, en fait, ça va être le pain d'épices légèrement moutardé. Alors ensuite, il faut saler. Donc je vais mettre un petit peu de sel. Et il faut ajouter donc les tranches de pain d'épices comme ça, moutardées. Donc il faut les mettre par-dessus. Je me suis mis de la moutarde sur la main. Alors il faut mettre 5 à 7 tranches. Et comme j'aime pas quand c'est vraiment trop sucré, j'en mets que 5. Alors voilà, c'est fait. Maintenant il faut recouvrir et laisser cuire ça entre 2h30 et 3h. Donc je vais laisser cuire ça tout doucement. Je vais diminuer l'intensité du gaz. Voilà, il faut laisser mijoter. Et normalement il faut que le pain d'épices soit bien bien fondu dedans. Calypso. Bonjour, mon bébé. Voilà. Bonjour mon amour. Ça va? Faut fermer la porte hein. Ouais. Calypso mon bébé. Ah, il va venir nous voir. Allez, il va marcher. Ah, il est en France. Calypso. Ouais, ouais, bonne année enfin. Bonne année hein. Oh, bonne, j'ai sauté dans quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des tartines. Des tartines, j'ai faim. T'as faim? Ah, voilà. Quoi? J'aurais dû te demander, t'es parti au Colorado, j'aurais dû te demander du sirop d'olgeish. Ah, bah ouais, tu vois. Ouais, bah tu vas te faire tes tartines. De toute façon, le manger doit cuire encore, c'est marqué ici. J'ai mis le temps. Ouais. 1h57. Faut que ça cuise 3h en tout. Il y a de la marge. Ouais, bah oui, il y a de la marge. Hein. Et voilà, les carbonades sont prêtes. En fait, ça fait 3 heures qu'elles sont en train de cuire. Je vais essayer de poser le couvercle là pour vous montrer. Voilà. Donc, je viens juste rajouter un petit peu de moutarde. Hein. Donc, les petits trucs jaunes que vous voyez, c'est normal. La viande, elle est fondante et tout. Franchement, c'est super bon.